Et voilà la deuxième partie instantanée, j'ai pas bougé. Donc voilà. Donc là ce sera la petite instance. Parce que je vais faire plusieurs parties parce que bon, je vais mettre des jours et des jours à uploader ça sur YouTube. C'est pas mon but. Quoique, vu que ce jeu n'utilise pas Internet, je peux. Surprise! Les ballons là. Ça me fait penser à un dessin animé ou un film, je sais plus c'est quoi. C'est le ballon là. Je ne sais plus, c'est ok. Encore une flèche de perdu. Ceci m'énerve vraiment. Si quelqu'un a une solution pour pas perdre les flèches, malgré les tirs super que je fais quand même. Là, je lui mets un super flèche. Quelqu'un, mais personne. Ouais. Attends, en ce moment, hop, un coffre. Puis au final, est-ce qu'on peut trouver le temps? Hein. Tiens, ma chérie, une tête. Deux cylindres. Ça, par contre, là, je vous l'avoue, je vais fail. Ça me prendra à être trop rapide. Précis. Oh putain, une flèche de perte. Vous me faites chier là. Franchement, vous me faites chier. Il faut que j'aille voir. Parce qu'en fait, j'ai téléchargé un mode qui me permet de créer la flèche. Au lieu de le tromper. C'est bizarre qu'il n'ait pas de piège ici. Peut-être que je tirais, si je tirais là dans le corps. Là, je pense que ouais, c'est mieux comme ça. C'est assez moche. C'est pas grave, on n'a pas eu le temps de voir normalement. Ils ne peuvent pas faire le jeu. S'ils viennent, c'est qu'ils trichent. C'est la preuve, c'est ce que je suis en train de faire, ma chaîne. Là, il se ferme. Oui, oui, moi aussi je te retrouve à tête de planche. Je te mettrai cher. Et vous êtes sérieux là? Hein, putain, je t'aime vraiment rien quand les gars sont pas faux, toi. Mais moi aussi je t'aime. Il fait du jour, ma chérie. Hein. Vous pourrez tester ce matin, allez. Hop, elle est toute, la petite fille. Il faudrait pas, hein. Voilà, hop, pour les petits pervers. Même les hommes, je le fais tout le monde, sinon. Je vais peut-être penser aussi au public. Aux femmes, hein. Par contre, ils sont pas très bien équipés, les femmes. Allez, viens là, moi. Vous avez un beau black là. Donc qu'est-ce que je vais vous voir? Nous montrer. C'est mon temps. Je veux son petit zizi. J'aimerais bien récupérer ma flèche maintenant. Oh oui, j'ai dégagé, t'inquiète pas. J'ai tout dégagé.
N'ayez point de soucis. Je vais dégager vos alliés. Derrière toi. Je l'avais prévenu. Mais ils m'écoutent jamais, les pommes du manche. Il n'y a personne. Faut juste je te tiche comme ça, hein. Tu veux pas ça. S'il y aurait quelqu'un, il m'aurait sauté dessus. Ouais, non, c'est pas grave. Vous avez vu la régène que j'ai. Rien à dire. Un peu de mage. Rien à foutre. On m'a demandé de me tuer et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Bon, allez. Que voulez-vous que je fasse? Un crime a-t-il commis? On m'a demandé de me tuer. Je suis un assassin, hein, quand même. Ok, mon amour. Mettez-vous en garde. Bah, c'est parti, hein. Donc, on fait mode assassin, hein. Tac-tac, on se cache. Je suis à côté de la foule, c'est pas très mal. On n'a pas. Tiens, peut-être ici, ça serait mieux pour se cacher. Là, si, non. Je suis caché. Comme ça, je vais tous me les faire en furtif. Tel un assassin. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite boucle. Bien méchante. Je vais faire un peu de gens. D'armes aussi. Je suis descendu un peu la précipice. Et maintenant, comment vais-je pour remonter? Je pense que c'est par là. J'ai sauté comme ça, voilà. Et donc là, je me suis fait carotte. Il faut juste remonter. Par contre, les secs à couchage, vous avez pu passer en fait. Ok, bon. Petit bombe piégé quand même, le petit Ali. Si vous allez dans une instance où il y a des vampires, vous vous allongez tranquillement pour faire un petit dodo, vous vous réveillerez avec pas les couilles qui va, vous vous réveillerez avec le truc sanguin qui transforme un peu de temps en vampire.
Super. Ça, c'est pas très réaliste. Un micro centimètre. Je tire à côté. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire. Donc, vous vous réveillerez avec le malus qui vous transforme dans les 3 jours en vampire définitif. Si vous faites la petite cérémonie que j'ai jamais dû faire. Donc c'est des potions de magicien, mais... Donc vous choisissez soit de rester vampire, c'est qu'il y a un avantage et un inconvénient. Vous trouverez tout ça sur internet, je pense. Sinon, ça vous donne des bonus la nuit, mais le jour des malus. Dégâts critiques dans ta tête. Ok, voilà. Donc, jouer toujours la nuit dans le jeu. Enfin, dans le jeu, hein, pas irréel. Hein. C'est assez chiant, vous avez pas beaucoup de visibilité, je trouve. Après, chacun ce qu'il veut. Hein. Les assassins, c'est plutôt dans la nuit. Je dois l'avouer. Personne. C'est ta mort qui t'attend. Bizarre, il ne bouge pas. Hein. Il y a quelqu'un là ou quoi? Est-ce que l'eau... Ah ah! Il y a du monde là. Purée, il y a... C'est quoi cette chose? Putain, y a du monde dans cette pièce en fait. Je croyais pas qu'ils étaient autant les pauvres. Je m'attendais à beaucoup. Normalement, je pourrais pas le voir. Je peux pas le voir. Je m'attendais pas à qu'il y ait autant. Il y a une armée dans sa grotte. Donc, on va plutôt faire ça. C'est bon, chose-moi. C'est l'inconvénient de l'arc. Hein. Quand il y a trop de gens, c'est un problème. C'est pour ça que je voudrais limiter aussi l'attaque, peut-être. Comme ça, je suis là pour un vol de vie et vigueur. Plus courant à sa petite tête. Personne. Tiens, tu pouvais pas garder silence. Oh, purée. Oups. Oh, c'est moche, hein. Oh, je t'ai tué, toi. Oh. Merci. Ah ah! Sûrement des gens.